Les exploitants de canne à sucre étaient bien représentés à la recherche de quelques coupeurs de canne, les maraîchers en quête de main-d'œuvre, beaucoup moins. Quant aux demandeurs d'emplois agricoles, nous pouvions les compter sur les doigts d'une main. L'emploi saisonnier de coupeurs de canne ne fait plus recette. Les agriculteurs en recherche d'un emploi se tournent plutôt vers les cultures maraîchères et le bio semble connaître une belle progression. Ça commence à se développer. Il y a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Bon, l'Est, on va dire, dans le domaine au nord, l'Ouest un peu plus, mais effectivement, on commence à avoir quelques offres de temps en temps dans ce domaine-là. Des gens qui sont sur le terrain pour faire des semis, des replantations, faire de la récolte aussi, récolte d'ananas, récolte de la banane. Ne travaille pas la terre qui veut, il faut un minimum d'études pour obtenir un emploi. Le domaine agricole est, à l'heure d'aujourd'hui, assez réglementé. Donc, comme tout autre secteur, il faudrait un diplôme pour pouvoir y travailler. Aujourd'hui, de nombreuses connaissances environnementales sont requises pour obtenir un diplôme, sans compter que les salariés agricoles doivent accepter de se lever souvent bien avant l'aube et même parfois de travailler loin de chez eux.